Bienvenue sur votre chaîne Phone Record. Nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer sa photo de profil par un emoji. Ah oui, comment est-ce que vous allez pouvoir changer votre profil WhatsApp par un emoji de votre choix, de votre préférence. Donc, pour ce faire, vous irez dans l'option paramètres. En tout cas, je sais pas si d'autres WhatsApp le font, mais moi j'utilise Yo WhatsApp et c'est ce qui me permet de pouvoir le faire. Donc pour d'autres WhatsApp comme les WhatsApp qui sont sur Play Store, les FM, les GB et autres, je sais pas, mais je suis sûr que les GB vont le faire parce que c'est la même famille que le Yo WhatsApp. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur paramètres et aller sur votre profil comme vous voulez changer votre profil photo de profil. Donc actuellement c'est la photo actuelle de mon WhatsApp. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique sur la partie qui va me permettre de changer ma photo de profil comme d'habitude. Donc je clique. Lorsque je clique, il y a une nouvelle option. Donc voilà, on me présente quatre options: caméra pour prendre la photo directement, et ensuite il y a galerie pour choisir une de mes photos, ou encore emoji pour choisir un emoji, ou encore recherche pour choisir, pour faire la recherche sur internet, prendre une photo. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse, non. Ce qui nous intéresse ici, c'est les emojis. Donc nous allons cliquer sur emoji et voilà ce qui se présente à l'écran. On nous présente donc tous mes emojis possibles. Donc je fais le choix ce que je veux, que ce soit les flags, en fait je veux dire les drapeaux, les expressions faciales, les ustensiles, les fruits, peu importe ce que je veux mettre sur mon profil, je vais pouvoir le faire. Et puis il y a aussi la possibilité de changer le fond, la couleur du fond. Donc vous voyez un peu, donc je peux changer la couleur du fond comme je veux, voilà. Et c'est un peu ça. Je peux mettre en fait toutes sortes d'emojis que je veux, sauf que je peux pas mettre deux emojis à la fois. Je vous laisse donc apprécier comment je le fais. Et pour ceux qui sont intéressés et veulent installer le Yo WhatsApp, sachez que j'ai déjà fait deux vidéos. La première, comment installer le Yo WhatsApp, et la seconde, comment mettre à jour le Yo WhatsApp lorsqu'il est obsolète. Le lien se trouve dans la barre de description. Allez-y, checker, cliquez, suivez la vidéo et vous allez l'installer vous-même. C'est simple, c'est rapide, c'est fiable. Sachez aussi que Yo WhatsApp vous donne des options plus avancées, comme sur des statuts sans se faire remarquer dans la barre de vue. C'est-à-dire vous allez regarder les statuts d'un de vos contacts ou de tous vos contacts sans qu'ils ne vous remarquent, sans qu'ils ne sachent que vous avez vu leur statut. Aussi, il y a l'option anti-delete. En fait, c'est une option qui vous permet de voir les messages supprimés. Si quelqu'un vous envoie un message sur votre WhatsApp et après supprime ce message, vous l'aurez toujours avec un signe qui montre que ce message a été supprimé, mais vous le voyez encore dans votre discussion. Voilà. Donc il y a assez d'options, il y a beaucoup d'options avec le Yo WhatsApp.
Si finalement vous avez choisi votre emoji, vous n'avez qu'à cliquer sur le cocher dans le coin pour valider et voilà. Vous attendez quelques instants et voilà, c'est fait. Votre photo de profil a été changée avec succès. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez des commentaires. Dites-nous quel type de WhatsApp aussi fait la même chose. On attend vos réponses.